L'un de ses gardes parle au barman. On dirait qu'il le raquette. Je passe à la pièce suivante. S'il y a du changement, avertissez-moi. R.A.S. pour l'instant. Ne le quittez pas. Quelle est sa situation ? Compris. Vous êtes candidat aux élections. Bien sûr qu'on vous observe. Non. Restez proche de lui ou il va nous semer. Compris. Il rejoint deux mercenaires. Du même groupe que son garde du corps, apparemment. Il a l'air nerveux. Peut-être qu'il vous a aperçu. Peut-être qu'il a vu Goliath quelque part là-dedans. C'est possible également. Il y a des obstacles. Je vais essayer de les contourner. Ne le perdez pas. Bon, très bien. Avancez, on va voir si quelqu'un vous suit. Compris. Cible repère. Hé ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Service d'hygiène de la citadelle. On nous a signalé que les entrepôts du coin étaient infestés de nuisibles. Quoi ? Vous plaisantez ? Comment vous avez fait pour rentrer, d'abord ? À votre avis, grâce à mon accréditation. Vous voyez d'autres portes ? Il y a bien les passerelles des... Laissez tomber. Faites ce que vous voulez. Merci. Mais évitez que mon boss vous aperçoive. Gardez sa trace, Shepard. Ne vous éloignez pas trop. Il ne faut pas qu'il s'enfuit. Tane, j'ai vu. Se dirige vers Sheptalid. Goliath. Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais. Aide-moi, Drell. Je ferai tout ce que tu voudras. SSC, pose cette arme, petit. Ne vous en mêlez pas. Je m'en vais, et je l'emmène avec moi. Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de ton aide. Bordel, mais... Talid, foutez le camp. Ouais, d'accord. Coffrez-moi ce gamin. Espèce d'enfoiré! Ton père n'a plus bien longtemps à vivre, Goliath. Il essaie de racheter ses erreurs. Quoi? T'es venu implorer mon pardon? Pour pouvoir mourir en paix, quelque chose comme ça? Non, je suis venu t'apporter la paix. Tu m'en veux parce que j'étais absent à la mort de ta mère. De son vivant, tu n'étais pas là. Pourquoi ça aurait changé à sa mort? Ta mère, ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais. Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreaux et meneurs. Je leur ai fait du mal. Jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps, alors, hein ? Goliath, j'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Goliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Je suis étonné que vous le laissiez faire. Vous croyez que c'est le premier à foirer l'éducation de son gamin? Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous les pose. Thank you.
Ça commence à faire un bail. Faut que le gamin encaisse. J'ai fait des recherches dans les archives du SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus tous sauf recommandables a été tué. Comme si quelqu'un faisait le ménage. Le suspect principal était un Drell. On n'a jamais réussi à le coincer. 10 ans, ça fait long. Si ça se trouve, le coupable a cassé sa pipe depuis. Ouais, vous avez sûrement raison. Comment ça s'est passé? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. J'ai vu ces types extorquer de l'argent aux commerçants et menacer les humains. Ouais, mais ça ne légitime pas son geste. Il veut rendre service à la société. Donnez-lui des travaux d'intérêt général. Des TIG pour tentative de meurtre? Il n'y a pas un juré au monde qui accepterait ça. J'entends bien. C'est pour ça qu'il faudrait garder l'affaire loin des tribunaux. Que ça ne sorte pas du SSC. Intéressant. Je vais y réfléchir. Merci, capitaine. Oui? J'essaie de trouver un faussaire du coin. Il se fait appeler Fade. Ouais, je le connais. Enfin, son pseudo, en tout cas. Ça fait un an que les gars de la division réseau s'arrachent les cheveux à cause de lui. Il bosse avec les Soleils Bleus. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ça, si je le savais, il serait déjà en tôle. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous mettre sur sa trace. Il y a un entrepôt dans les Halles. Certains intermédiaires de Fade bossent de ce côté. Allez les interroger. Gentiment, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas réussi à... Je sais pas qui c'est. En tout cas, vous n'avez rien à voir avec... J'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose... いらっしゃいませ! Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Je suis le commandant Shepard. Oui, c'est juste que... c'est mon bébé.
C'est tout ce qui me reste de... Je sais. Je veux simplement le protéger. Je ne veux pas devenir l'une de ces mères hystériques, Michael. Je sais. Vous avez déjà mangé des lamelles? C'est normal. Jamais les humains. Une liste de personnes interdites de vol. Mais dans quel monde vivons-nous? J'ai surpris votre conversation. Vous avez un problème? Ah, un humain. Votre espèce passe son temps à s'immiscer dans les problèmes des autres, à ce que je vois. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement. Rien, pas personnellement en tout cas. Depuis que votre espèce a pris le pouvoir au Conseil, vous avez instauré des centaines de nouvelles interdictions et procédures de sécurité. Soi-disant pour notre protection. Nous représentons apparemment un risque d'infiltration guette. On refuse de nous laisser embarquer pour l'espace Asari. Pourquoi est-ce qu'on vous refoule? Vous n'êtes pas des guettes, ça crève les yeux. Je ne sais pas, ils n'ont rien voulu entendre. Nous faisons partie de je ne sais quelle liste, apparemment, et on refuse de nous expliquer parce que c'est confidentiel. Qui vous empêche d'embarquer au juste? Je ne sais pas qui a pris la décision. C'est un gratte-papier à la baie d'embarquement qui nous a avertis. Celle à côté du... Je vais voir si je peux faire quelque chose. Ne me fais pas d'illusions. Oui? J'ai surpris votre... On n'est pas au président. Parfois... Le SSC a bien changé. Ouais, où est-ce qu'on peut le trouver? Ça. Il y a un entrepôt dans les halles. Certains intermédiaires... Faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ça m'a l'air d'être là. À l'intérieur.
Je n'imaginais pas Fate comme ça. Faut pas se fier aux apparences. Alors, lequel d'entre vous veut disparaître ? Je cherche plutôt à faire réapparaître quelqu'un. Mais je ne propose pas ce genre de service. Fais une exception. Pour une fois. Bon sang, vite ! Tirez ! Tirez, triple idiot ! Trop lent. Ah, quoi bon ? On recherche quelqu'un, un client à toi. Pas à moi. Je ne suis pas Fade. Je travaille pour lui, c'est tout. Je le savais. Alors tu aurais peut-être intérêt à nous dire où le trouver. Oui, bien sûr. Il est dans le quartier industriel. Il se planque dans la vieille fonderie de préfabriqués. Je vois où c'est. Il y a pas mal de mercenaires avec lui. Des soleils bleus. Arkin croit qu'il le protège. Arkin ? Qu'est-ce que les soleils bleus viennent faire là-dedans ? Ils utilisent ces services pour noyauter les sociétés et les organisations de la citadelle. Le fumier. Il se sert du SSC pour aider ses pourris. Non, non, non. Enfin, pas vraiment. Il s'est fait virer du SSC il y a quelques mois. Mais il connaît toujours les rouages du système. Intéressant. Mais ça ne change rien. On doit toujours passer par lui pour retrouver Sidonis. Allons faire une petite visite à Arkin. Il faut qu'on aille à la station de transit. De là, je peux nous conduire à lui. Alors, je peux partir ? Oui. Mais si on ne trouve pas Arkin, on repasse te voir. Ah, ok. Bonjour, c'est pour un échange. Je viens pour le convertisseur d'Omnigel. Désolé, je vais faire erreur. Sur Noveria, des enquêteurs viennent de faire une étrange découverte dans les ruines du pic numéro 15. Il semblerait que le complexe ait servi de site d'expérimentation sur du matériel génétique Rakhni. Fort heureusement, le représentant du Conseil nous assure qu'aucun Rakhni vivant n'a pu être produit par ces expériences. Voilà. Shepard ? Ne restez pas plantés là ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! Cours tant que tu veux, Arkin, on te retrouvera. Je vais recouvrir. Attention ! Je vais ralentir.
comme moi. Voilà-moi. Je me rabats à couvert. Début du protocole de neutralisation. Impact détecté. Je m'exécute. Alors, demandons assistance. Je m'exécute. Excusez-moi. Évacuation de alerte, demandons assistance. Thank you.
Mobile vers couverture. Ton heure est venue. Qu'est-ce que trafique Arkin? Vous avez travaillé avec Arkin au SSC? Oui, c'était déjà un connard fini à l'époque. Mais je ne vais pas le laisser faire. S'il ne coopère pas, il s'en souviendra pour le restant de ses jours. Vous n'avez pas l'air de plaisanter, Garrus. Je pense qu'Arkin sait pourquoi Sidonis a voulu disparaître. Alors il sait aussi pourquoi on est là. Je ne veux pas qu'il prévienne Sidonis. J'ai vu quelque chose. Il se prépare à nous accueillir. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est devenu un vrai, mais il me le faut vivant. Inutile de le tenter. Ne vous en faites pas. Arkin est un lâche. Il parlera avant que je passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous allez faire si Arkin... C'est devenu un vrai criminel à la solde des soleils bleus. Je devrais l'abattre sans sommation. Mais il me le faut vivant. Donc je vais juste la mocher ce qu'il faut pour lui délier la langue. Vous comptez toujours tuer Sidonis quand on l'aura trouvé? C'est ce qui est prévu, oui. Ce sera rapide et indolore. Contrairement à ceux qu'il a trahis, il n'aura pas à subir une lente agonie. Il n'en mérite pas tant. Mais du moment qu'il meurt, je serai satisfait. Garrus, vous pensez vraiment que tuer Sidonis réglera quoi que ce soit? Il le faut. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, mais n'essayez pas de m'en empêcher. C'est moi qui appuierai sur la gâchette, et c'est moi qui en subirai les retombées. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à le retrouver. Qu'est-ce que vous allez faire si Arkin refuse de coopérer? C'est devenu un vrai criminel à la solde des soleils bleus. Je devrais l'abattre sans sommation, mais il me le faut vivant. Donc je vais juste la mocher ce qu'il faut pour lui délier la langue. La fin justifie les moyens. Exactement. Je savais que vous comprendriez. Eh bien, il n'y a qu'un moyen d'être fixé. Je vous suis.
C'est quoi ce truc ? Shepard, je me suis connecté au scanner de l'entrepôt. Les caisses placées dans les transporteurs en surplomb sont piégées pour exploser au largage. Bon à savoir. Là ! Dérivation de puissance. Direct. En voilà une voix. Tu n'arriveras jamais jusqu'ici, Garus. Arkin va le regretter. Et merde, deux mécas d'assaut en approche. Tu penses pouvoir me faire tomber, Garus ? Système de défense activé. Oh. Kin va le regretter. Et merde, deux mécas d'assaut en approche. Tu penses pouvoir me faire tomber, Garus ? Attention ! Kin va le regretter. Et merde, deux mécas d'assaut en approche. Tu penses pouvoir me faire tomber, Garus ? J'en garde.
C'est plié. C'est ta trace. Garrus, du calme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je recherche quelqu'un. Alors, je suis sûr qu'il y a moyen de discuter. On ne vient pas vous demander un service, Arkin. Non, sans blague. Tu as aidé un de mes amis à disparaître. Je veux le retrouver. Il va me falloir un peu plus d'infos que ça. Il s'appelait Sidonis. Sidonis Alcoura. Un Turien qui venait... Je sais qui c'est, tu peux oublier tout de suite. Vous pouvez encore vous éviter la manière forte. Allez vous faire foutre! Je ne divulgue pas les infos de mes clients. C'est mauvais pour les affaires. Je connais autre chose de mauvais pour les affaires. Avoir la nuque brisée. C'est bon, arrête! Les systèmes Terminus, ça vous change un homme, hein, Garrus? Non. Mais Sidonis m'a ouvert les yeux. Tu vas m'organiser une entrevue. Rien que ça! Ouais, c'est moi. Il y a des chances que quelqu'un ait retrouvé ta piste. C'est pour ça que je t'appelle. J'envoie un agent. Où est-ce que tu veux qu'on se retrouve? Ça marche. Je lui dis de t'attendre, ouais. T'inquiète pas, je m'en occupe. Bon, il a mordu à l'hameçon. Il vous donne rendez-vous devant le Parsec, en milieu de journée. Bon, eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Pas question. Tu es un criminel, Arkin. Et alors quoi, tu vas me tuer? C'est pas ton style, Garrus. Te tuer? Non. Mais je peux te ralentir. Histoire que le SSC retrouve ta trace. Enfoiré! Il fallait vraiment en arriver là, Garrus. Il s'en remettra. Et peut-être qu'il y réfléchira à deux fois avant de refaire ce qu'il a fait. De toute façon, le SSC ne le laissera pas faire. Heureusement pour toi, le SSC emploie les meilleurs médecins de la Citadelle. Je t'emmerde, Garrus! Pas de temps à perdre. Sidonis a intérêt à être là. Sinon, je reviens terminer le travail. Arkin est une véritable plaie. On n'aurait pas dû le laisser filer. Il méritait d'être puni. Je commence à me faire du souci pour vous, Garrus. Vous avez été plutôt radical avec Arkin. Vous ne trouvez pas qu'il le méritait? Si, mais ça vous ressemble pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Shepard? Vous, qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un vous trahissait? Je sais pas, mais j'éviterai de faire une fixation là-dessus. C'est ce que j'aurais dit aussi, avant que ça m'arrive. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Qui va punir Sidonis si je ne m'en charge pas? Personne d'autre ne sait ce qu'il a fait. Tout le monde s'en contrefout. Je ne vois pas d'autre solution. Laissez-moi lui parler. Parlez tant que vous voulez, mais je ne changerai pas d'avis. Peu importe ses raisons. Il s'est foutu de nous. Il mérite la mort. Je comprends ce que vous ressentez, mais vous tenez vraiment à le tuer? Merci pour votre sollicitude, mais je ne suis pas fou. Comme ça non plus, je ne vous reconnais pas. Vraiment? J'ai toujours détesté l'injustice.
Quand je me dis que Sidonis pourrait s'en tirer, de quel droit est-ce qu'il vivrait là où 10 braves ont rejoint la fosse commune? Pardon, Shepard. Ce n'est pas avec des paroles qu'on va résoudre ce problème. Passons aux préparatifs. D'ici, je pourrai l'abattre sans problème. Vous voulez que je fasse quoi? Faites-le parler, ne me bouchez pas la vue. Quand je l'aurai en ligne de mire, je vous avertirai. Faites-moi un signe quand vous êtes prêt, j'ouvrirai le feu. Mettez-vous en place, il ne va pas tarder. Shepard, vous m'entendez? 5/5. Bon, le voilà. Faites-lui signe et engagez la conversation. Finissons-en. Vous êtes dans ma ligne de mire. Décalez-vous. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You one of Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Oh, it won't. Don't worry. What? Shit.